Les chemises en jeans. Aussi l'essence pour ta voiture. ANPE et ACDIC, on se met à deux pour te faire la nique. On ferme à 16h ou à midi, on n'ouvre pas le vendredi. Un CDI, n'y pense même pas. Chômeur, viens faire la queue, tu passeras pas. Chômeur, prends l'air. Il te restera plus que le Bangladesh, car aujourd'hui c'est la dèche. C'est ça. Fais des provisions. Garde un peu de pognon. Trouve-toi un patron. Bouge-toi un peu le fion. Ah chômeur, branleur. Ah oui, c'est moi le RSA. Chômeur. Au téléphone, je te réponds pas. Chômeur, branleur. Non, c'est pas mes affaires. Merci de la vie de radiation, mon vieux. Si t'as encore des frais dentaires. Désolé, mon numéro est surtaxé. Tape la touche dièse si t'es burné. Grâce à moi, tu vas y passer. Même la moitié de ton forfait. Vous pouvez prendre le RER. Tu touches 400 euros par mois. Chômeur. Et tu me dis que ça suffit pas. Chômeur, prends l'air. Vous connaissez. Tu peux plus te payer la crèche, car aujourd'hui c'est la dèche. C'est ça. Pensez à votre travail. Provisions. Garde un peu de pognon. Trouve-toi un patron. Bouge-toi un peu le fion. Mais c'est quoi votre numéro? C'était 39-49. Vous n'avez pas validé le mois de janvier. Eh ben vous êtes radié, c'est comme ça. Et l'actualisation? Ah oui, c'est moi le formulaire. Chômeur, branleur. Pour me remplir, c'est la galère. Chômeur, branleur. Oui, si tu ne me renvoies pas, t'as plus d'alloc pendant 3 mois. Si tu oublies de remplir une case, t'existes même plus dans nos bases. Ah oui, stage, pas là. Un peu cherché. Quand t'arrives voilà. Devant un guichet, comme d'habitude il manque un papier. 900 euros, 900 on euros. Te dit avec un dernier, désolé monsieur, il faudra repasser. En même temps taxe à faire de ta vie, car c'est la dèche aujourd'hui. C'est ça. Fais des provisions. Garde un peu de pognon. Trouve-toi un patron. Bouge-toi un peu le fion. On se revoit le mois prochain, hein, monsieur. Ah, vous rappelez, le 18 décembre, hein. Non, c'est pas par mail, faut que vous soyez là, monsieur. Vous êtes là le 18 décembre. Eh ben oui, c'est ça, hein. C'est ça le Pôle emploi. C'était les chemises en jeans. Bravo. Toujours aussi bon, les chemises en jeans. À la semaine prochaine pour le top classement.